Et salut les sticks, c'est Vanaxiol et bienvenue dans Un passionné de musique découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des nouveaux artistes que je ne connais pas, ou des nouveaux morceaux d'artistes que je connais déjà, et ce majoritairement grâce à toutes vos suggestions. Je rappelle les deux règles que je m'impose sur la série de vidéos, même si vous commencez à connaître le concept, je ne pose pas pendant les morceaux afin de garder vraiment l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et on balaye tous les styles musicaux, ça peut vraiment aller du jazz en passant par le death metal, l'électro, le hip-hop, ce que vous voulez. J'ai bien sûr mes préférences personnelles, mais je trouve qu'il y a du bon partout, donc on va pas se gêner, on va pas se priver. Et encore une petite chose pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, déjà un grand merci à vous. N'hésitez pas à activer la cloche parce que c'est un peu le seul moyen pour que vous ayez mes vidéos dans votre. Que vous soyez à jour sur les vidéos parce que YouTube les recommande de moins en moins dans les flux des gens donc c'est vraiment la seule solution. Et sinon, pour info, je sors une vidéo tous les 2 jours pour le moment. Donc voilà, ceci étant dit, déjà je vous remercie énormément d'être aussi nombreux sur la chaîne, c'est super cool, je fais ça sur mon temps libre donc super cool, je m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, on répond à une suggestion de Alexis Merceron. Il m'a dit tu devrais écouter Bones avec le titre Glad We Have an Understanding. Tu seras agréablement surpris. Voilà, j'en ne sais pas plus. Je ne sais pas du tout quel style musical c'est. Donc on va écouter ça ensemble. On verra, on fera un petit avis sur le morceau. Morceau 3 minutes 07. À voir, un truc format radio, on va dire. Aucune idée. Bah, on va lancer ça ensemble et on va découvrir. Allez, c'est parti. Ok, petite intro, tranquille. Piano, clavecin. Très atmosphérique pour le moment. Et très mélancolique, on va dire, dans la tonalité. Ok. On est dans un mélange de corps et trap rap. Intéressant. La prod est très cool. Beaucoup de différentes productions sur la voix, très intéressant, musicalement parlant. Ah, le clip, pardon, il est en 360p à l'ancienne. Hein. C'est pas récent. Ok. Plus rappé que le premier couplet. Bah, je m'attendais pas du tout à ça en tout cas. Très lent en fait, très lent, très très oppressant. Petite infrabasse là. Petite nappe de passe derrière. Et bah c'était Bones avec Glad We Have an Understanding. Bah je m'attendais pas du tout à ça. Merci pour la suggestion d'abord, c'est super cool. Et c'est marrant, enfin je m'attendais vraiment pas du tout à ça parce qu'il avait commenté sous une vidéo de Viljarta, donc un groupe de métal suédois. Donc de base dans mon esprit c'était plus metal, mais on est vraiment à un mix entre ouais le hip-hop classique, même s'il a des phases vraiment hip-hop et des moments un peu plus core, on va dire tout ce qui est metalcore et tout la musique comme ça où il y a ces screams et tout ça.
Et je trouve ça assez cool. Et musicalement, c'est assez sombre, assez oppressant. Avec cette tonalité très, très on va dire, mélancolique. À mon avis, il y a l'utilisation de ce qu'on appelle des minor scales pour donner cet aspect très, très sombre. Même le clip est sombre. J'avoue que j'ai pas creusé les paroles, mais globalement, ouais, bon morceau, bien produit. J'aime beaucoup la production sur la voix, en fait, parce qu'il y a plusieurs niveaux de production. Il y a sa voix rappée qui est produite d'une différente manière que quand il chantonne. Il y a sa voix scream qui est aussi produite complètement différente, de manière complètement différente. Donc ça, je trouve ça cool, d'un point de vue production musicale. Le morceau est cool, il m'a pas, tu vois, genre, j'étais surpris, parce que je m'attendais pas à ça, mais il m'a pas fait, comment dire, m'a pas bouleversé, ou tu vois, mais je trouve cool le morceau. Mais il me manque un petit truc un peu plus explosif parce que l'instru elle reste assez monotone, on va dire. C'est pas un reproche, c'est un choix. Mais ouais, je sais pas, il me manque un petit truc un peu plus bouleversant. Mais j'ai trouvé que le morceau en lui-même était super cool quand même. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas un truc qui m'a pas bouleversé que je trouve que le morceau est mauvais, loin de là. Et donc ça, merci pour ta suggestion, c'était super cool. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié, si vous avez été surpris, si vous connaissiez le groupe avant ou choses comme ça. En commentaire, c'est toujours un plus. Et je suis également sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine les Noustiques. Allez, ciao, des bisous.